Bonjour à tous, bienvenue pour ce direct, donc en direct du parc Léo Léla, les grands kiosques au tampon, pour le salon d'été du jardin et de la maison. Donc, pour ce dimanche, c'est une des sorties originales. Son fameux couteau qu'il vous propose, venir aussi chez notre éditeur. Le parc est aménagé en deux kiosques consacrés à la maison et au jardin, comme vous pouvez le voir. Vous avez pu avoir un petit aperçu de l'un des kiosques. Et on va juste aller faire un petit tour au niveau du kiosque numéro 2, qui est de l'autre côté. Le temps n'est pas vraiment au rendez-vous, mais il fait bon. Les gens sont venus assez nombreux cet après-midi. Donc c'est un salon qui va s'organiser en deux week-ends. Donc vous avez une première partie qui était hier et aujourd'hui, et la semaine prochaine, de nouveau, donc le 15 et le 16 février, vous retrouvez les mêmes exposants au même endroit. L'aluminium a dévolué. Bonne journée.
Donc voilà, vous avez pu avoir un petit aperçu de ce qui se trouve à l'intérieur des kiosques. Et il y a également une petite partie extérieure qui a été aménagée. Donc là, sous la tente, on va retrouver beaucoup plus d'aménagements extérieurs, donc ce qui dit jardin, construction pour l'extérieur de votre maison. Le soleil est ressorti et il fait super chaud sous la tente. Et voilà, vous pouvez ressortir par ici en plein soleil. Donc voilà, il fait très très beau à la plaine à cet instant précis. Il fait très bon surtout. Donc c'est vraiment une idée sortie super agréable à faire ce week-end pour ceux qui sont à proximité, ou le week-end prochain du coup pour ceux qui n'étaient pas au courant en fait. Donc de ce jardin, de ce salon d'été, de la maison et du jardin. Que ça intéresse, c'est à la plaine des Caves, sous les grands kiosques, donc au parc Léo Léla, et ça sera donc sur deux week-ends,